papa Mupando, nous vivons dans nos boutons, pays nous divisé, la famille nos ados, nous battons fait moi caïman, pour nous servir le passé. Merci, merci, merci tout le monde. Avec nous matin. Pour bataille ça qui lance là, il y a plusieurs secteurs qui partie prenante la donne dans la section mobilisation. Nous avons le secteur étudiant qui n'est pas négligé et c'est eux-mêmes qui vous têtent. Nous avons le secteur politique là, qui prend bataille en main, c'est le deuxième représentant dans la section mobilisation. Ça. Nous avons Petro Challenger qui dans toute forme, dans tout pays, tout partout, sous champ de masse et dans quatre pays d'Haïti, Petro Challenger représenté. Nous avons le secteur travailleur, ouvrier qui a passé misère dans l'entreprise, qui a un bon salaire, moun sa yo, yo di yo met meilleur dans la bataille là, et c'est pour renverser Jovenel Moïse. Nous avons le secteur artiste, artiste engagé surtout, qui a chanté pour changement, qui a chanté pour peuple haïtien, yo rentré dans la bataille. Nous avons le secteur paysan, paysan qui n'a pas jamais joué dans rien, malgré toute promesse que vous faites. Eh bien, paysans, eux-mêmes, ils disent, ils entrent dans la mobilisation hein, pour renverser pour voir ça, pour rejoindre ça, eux-mêmes, ils méritent comme paysans, pour travailler la terre, pour ne pas quitter en dehors, pour entrer la ville, venir faire l'autre travail. Nous avons encore diaspora, qui mettait main dans la patte, côté à l'étranger, ils ont mobilisé, et ils ont les familles en Haïti pour entrer dans la bataille. Ça, qui est différent par rapport avec Jean ça qu'on fait lorsque qu'on a invité famille pour voter. Eh bien aujourd'hui là yo dit moun yo mettre corps dans la rue pour renverser Jovenel Moïse. Nous gagne secteur enseignant qui fait partie de commission mobilisation ça. Syndicat moto qui toujours dans tête mobilisation dans toute la rue yo même yo prend le devant pour faire partie des secteurs ça et jusqu'à ce que Jovenel Moïse lui-même l'ait quitté pour voir ça. Et espace ça lui-même il était ouvert ensemble avec tout l'autre secteur qui voulait entrer dans la mobilisation hein, pour demander pour Jovenel aller pour respecter sa constitution dit eh bien porte ça a été ouvert pour l'autre secteur capable rentrer toujours bien monde qui peut rejoindre le regroupement ça. Merci beaucoup. Nous saluons la presse parlée, la presse écrite, télévisée en ligne qui finit ouvrir conférence de presse, comité mobilisation pour déchouquer Jovenel Moïse 7 février 2021. C'est trouvé que mandat arrivé, il faut qu'il baille pays. Présence secteur ouvrier sous table là, et c'est qui s'allie. C'est venu participer dans toute mobilisation qui lançait dans le pays pour nous capables de joindre débat Jovenel Moïse avec tout acolyte Lio qui est ouvrier, travailleur, nous avons un secteur transport qui est présent avec nous là dans la conférence de presse. Nous voulons inclure dans toute initiative que nous avons cherché pour nous joindre débat Jovenel Moïse dans le pouvoir. Nous avons un secteur enseignant qui est présent sous table là qui voulait inclure tout, dans toute initiative pour remplacer Jovenel Moïse sous pouvoir par l'autre pouvoir, transition, dérupture. Je dis à Jovenel Moïse avec Acolyte Lio, qui vient avec Acolyte Lio, PHT Calio, qui pas jamais répondre avec revendication secteur ouvrier. Salaire minimum, nous, pas jamais monter, son salaire type qui l'ose que nous avons. Li pas jamais répondre avec l'homme social yo, tant pour accompagnement social avec sécurité sociale yo. C'était enseignant, li ba yo un salaire grave. Tout en yo dans radio, dans télévision, y a manifesté. Ça ne dit, c'est un nous dit comme ça que pouvoir ça, li pa répond avec revendication classe travailleur. Le secteur transport, tout le monde ouais, façon secteur ça a passé misère en bas régime PHTK. Jodi a, nous faisons appel à la mobilisation au secteur ouvrier. Nous faisons appel à la mobilisation avec secteur enseignant, tout syndicat enseignant, tout travailleur qui est dans le secteur ça, vient protocoler pour nous joindre des pages Jovenel Moïse.
nous fait appel avec secteur transport. Nous demandons chauffeur camionnette, chauffeur moto, chauffeur camion, quel que soit le côté pour travailler dans le secteur transport, venez pour décoller pour nous joindre départ. Et qu'il paie Jovenel Moïse qui participait dans dilapider pour Pétro-Caribé, qui participait dans faire massacre sous peuple là, qui participait dans faire répression policière de façon tragique sous deux populations. Je dis à nous-mêmes, dans le secteur ouvrier, nous victimes, secteur transport victimes, secteur et enseignants, nous victimes en bas régime criminel PHTK. Mobilisation lancée depuis jeudi. Et jeudi, nous prêts pour nous dire, à partir de 15, mobilisation lancée. Et une conférence débat qui prend le fait dans le prochain jour encore. Notre objectif, c'est la même initiative pour nous capables de remplacer Jovenel Moïse au pouvoir. Voulez parler. Et peuple là, il veut remplacer Jovenel Moïse par un pouvoir de rupture, revendication ouvrière, la soumettre, la partie. Et politique. Nous saluons l'assistance, nous saluons la presse. Et nous avons commencé par rappeler que jeudi, c'est 11 janvier. Nous ne sommes pas capables d'oublier 12 janvier. Et nous profiter pour nous saluer tout le monde qui était perdu, famille, tout le monde qui était infime, tout orphelin. Et nous avons demandé une minute de recueillement. Nous avons campé pour nous faire une minute de recueillement pour qu'aucune chaîne de douleur qui était frappée le pays, 12 janvier 2010. Merci. Mobilisation que nous avons terminé là, que nous avons continué là, et qui doit aboutir à départ Jovenel Moïse 7 février 2021, c'est une mobilisation vitale. C'est une mobilisation la vie ou bien la mort. L'éclair aujourd'hui que 10 ans pouvoir PHTK détruit pays. 10 ans pouvoir PHTK mettez pays à genoux. 10 ans pouvoir PHTK mettez pays en désespoir. Côté tout jeune a couru quitter pays pour y aller vivre l'autre côté. 10 ans côté que combat que n'a mené là. C'est un combat fondamental pour être capable affirmer ou l'autre projet société. Pendant 10 ans, ça y est, impérialiste avec oligarchie, ils ont essayé d'écraser toute conquête démocratique qui était faite à partir de fin années 80. Et c'est ça qui était l'objectif principal du régime PHTK. Le régime PHTK, c'est pour capable de dire peuple ou pas de droit monter sous cette politique. À partir de 86, il y a une rupture qui est faite, côté peuple dit nous qui devons faire politique. Nous qui devons être présents sur cette politique-là et nous ne pas quitter que politique-là, c'est domaine, monopole exclusif, quelques familles dans l'oligarchie. Et pour être capable de mettre le peuple dehors sur cette politique-là, ils ont organisé coup d'État, ils ont organisé occupation militaire et ils ont organisé PHTK, gouvernement extrême droite, qui mettait pays dans toute situation où il est là aujourd'hui. Tout le monde clair sur le bilan, on a vu regarder qui j'ai payé aujourd'hui, n'a pas un bilan. D'ailleurs, Anessa, encore une fois, PIB per capita a baissé de 4,7%. Ça veut dire que le pays a vécu plus pauvre longtemps. Pendant le gouvernement Jovenel Moïse, la quantité de monde qui grand goût passait de 2 millions à 4,5 millions d'habitants. Et je veux dire, tout chiffre dit au moins il y a 6 millions haïtiens qui sont dans une situation désespérée, dans une situation misère, qui ne sont pas capables de faire face à besoins fondamentaux. Pays fait bac sous tout plan. Nous gardons des questions grand goût, nous gardons des questions misère. Pays en vient plus dépendant. Si nous regardons par exemple balance commerciale, pays en vient plus dépendant de la République dominicaine, plus dépendant des États-Unis d'Amérique, plus dépendant des importations alimentaires. Et en plus, sous plan politique, nous voyons qui j'en PHTK organisé pour être capable de détruire l'institution pays.
pour capable détruire tout fonctionnement institutionnel là dans question craser parlement, dans question craser essayer modifier mandat pour des comptes et nous à travers 41 décrets qui prend pendant l'année 2020-2021 qui gens qui a essayé démantibuler tout germe démocratique que le peuple haïtien a commencé à construire à partir de levé campé fin année 81. Donc je dis en bataille pour départ Jovenel Moïse là, son bataille pour nous dire est-ce que pays ça doit venir. Son bataille pour nous dire est-ce que toute bataille démocratique que nous menons pas de sens, pas de valeur, pas de résultat. Est-ce que tout temps que t'es perdu, tout monde qui mourit pour te affirmer que son pays qui voulait vivre libre et qui voulait vivre dans la démocratie, est-ce que tout pays ça ou gaspiller, est-ce que nous perdons? Donc je dis appel à mobilisation que nous avons placé là, son appel la vie ou la mort. La vie paysan, l'avenir paysan, destin paysan et possibilité pour que le peuple haïtien capable d'organiser, pour capable vivre dignement, pour capable vivre libre, pour capable vivre dans la prospérité. Il y a un bail fondamental dans la question ça, c'est vrai que depuis 1915, ils ont mis pied sous coup paysan. Et mieux mettre un régime qui pour assurer continuité occupation. Et c'est pas par hasard aujourd'hui nous voyons qu'ils ont que Luis Almagro a permis lui appuyer Jovenel Moïse dans la DS permettre pour changer constitution pays. Nous voyons qu'ils ont gouvernement tromplant porter gouvernement ça dans Brali pour protéger pour défendre contre peuple haïtien. Donc aujourd'hui nous voyons que résultat PHTK ça c'est pas un hasard que lié c'est un résultat qui lié à niveau dépendance paysan. Au système côté que tout instrument stratégique dans le système politique là, il dépend de département d'État, il dépend d'une série d'agents externes. Donc je dis, le palais de départ Jovenel Moïse, c'est réaffirmation dignité peuple haïtien. C'est réaffirmation droit que nous gagnons pour nous vivre libres. C'est réaffirmation droit pour nous gagner pour nous organiser au système politique qui est capable d'assurer bien-être population. Et dans ce sens, ça nous dit que départ Jovenel Moïse dans son pas, mais deuxième pas, son transition de rupture, son transition qui permet que nous récupérer souveraineté paysan, nous récupérer droit grand maître majeur, nous récupérer droit pour que c'est nous-mêmes qui avons dit qui a venu, qui système, qui gens que nous avons dirigé paysan, qui gens que nous avons organisé paysan et qui gens que nous avons organisé institution paysan. Transition ça, l'idoué ou transition qui pas semblé avec l'autre transition qui était faite avant. Yo. Son transition qui doit jeter base pour une transformation radicale dans la société. Yo. Une transformation radicale dans le système politique. Là. Par exemple, je dis, il est clair que là, on a parlé d'élection. Il est clair que je dis, si vous allez dans l'élection avec Jovenel Moïse, c'est comme si vous ne dites pas qu'il y a une élection dans le pays. Yo. C'est élection sélection, c'est élection côté tout résultat fait d'avance. Pour qu'il y ait élection tout bon, élection qui participe dans la construction et renforcement institutionnel du pays, il faut que Jovenel Moïse allait. Pour que travailleurs dans le pays soient capables de jouer le fruit du travail, il faut que Jovenel Moïse allait. Pour que nous soyons capables de réparer tous les dégâts 12 janvier de fait, il faut que Jovenel Moïse allait. Pendant 10 ans, nous voyons que nous n'avons pas réparé les dégâts et nous n'avons pas mis les pays dans une situation véritable de reconstruction. Donc, toute raison ça, montrez-nous que tout citoyen, toute citoyenne honnête, conscient qui remet le pays ça, yo doit mettre pied yo dans mobilisation pour Jovenel Moïse aller pour PITA 7 février 2021. Et dans ce sens, mobilisation ça, c'est une mobilisation qui n'est pas campée. C'est une mobilisation manche longue. Non seulement mobilisation pour Jovenel Moïse aller, mais mobilisation pour que nous construisions des comités vigilance citoyenne qui assurent nous que transition la gagne un mandat dans même qui sont mandat qui correspond à intérêt fondamental peuple haïtien. Comité vigilance citoyenne qui permettent que nous pas fait d'appuyer sur transition pour ne pas bon nous des solutions importées à la tortue. Pour pas bonne des solutions côté ces départements d'État qui continuent à diriger le pays. Donc, dans ce sens, ça, nous pensons que mobilisation ça pour 7 février 2021 sont mobilisation vitale, sont mobilisation la vie ou bien la mort. Et nous certains
que le peuple haïtien pas mourir. Nous sommes certains que nous avons marché vers la victoire. Non seulement victoire pour que Jovenel Moïse baille talon 7 février 2021, mais victoire pour que nous construisions un autre projet de société qui est à la hauteur de rêve fondateur nation. Merci en plus. Militant qui l'a, je salue tout le monde qui parle prendre engagement dans la bataille pour nous déraciner vagabonds, dans la bataille pour nous déchouquer voleurs, dans la bataille pour nous déchouquer assassins, criminels, kidnappés qui sont dans notre pays. Mobilisation, l'idée est déjà lancée. D'ailleurs, nous allons demander des jours de démissionner, mais nous allons dire que c'est mandat qui bout. 7 février 2021, pas de route, pas de bois. Et n'importe ça, un citoyen fait dans la rue, à petit bataille là. Mais avant tout, nous avons deux mises en garde nous venons lancer là. Une mise en garde pour tout policier qui est conscient, yo même tout kidnappé, quel est le gouvernement, quelle était la police, yo pas même entendu pour yo t'aller chercher moun qui t'ai kidnappé yo et va même faire des marches pour libérer ses familles avec promotion qui fait marathon pour libérer policiers ça yo. Et policiers ça yo, nous voulons nous conscient pour nous mettre nous bon côté peuple là pour nous déchouquer vagabond ça yo dans tête pays là. Mais que policiers malveillants tout qui déjà a préparé yo et qui déjà a dit yo prêt depuis l'autre là manifestement illégal pour obéir. Nous venons faire reconnaître le peuple à pas peur. Et 7 février, pas le vin là, sur l'autre bagage. Deuxième mise en garde là, c'est pour toute faux leader, toute mafia, toutes mesdames qui ont regroupé pour y négocier, pour y chercher poste, pour y chercher job, pour y chercher cop, dans le peuple à ouais. Mais tout qui est faux leader, qui déjà a parlé langage, qui a pris forme, qui a parlé parole, et qui dit qu'il a porté revendication, nous, c'est la diversion, parce que le grand bagaille qui intéresse, c'est pour Jovenel Moïse, président gang, qui était là pour faire élection pour vous. Moi, je viens de dire que chaque grand citoyen qui est là, conscient depuis l'année que ça arrive là, il a porté grand coup pour nous, il a porté misère, il a porté chômage, il a porté la richesse, il a porté insécurité, il a porté massacre en dedans quartier populaire. Et il a importé un bagaille qui est le kidnapping pour nous. En façon pour empêcher les gens de manifester. Jeudi, c'est le deuxième lundi, janvier. Ça veut dire, bonne session parlementaire qui a supposé rentrer. Malheureusement, le président gang pouvoir là, pas de faire élection. Mais nous-mêmes, peuple là, c'est nous-mêmes qui pourrons jouer le rôle parlement. Ça veut dire pour nous veiller avec le mandat président gang qui finit 7 février 2021. Et fois ça, m'a fini pour nous dire l'international. Nous déjà arrangé nous pour nous prendre responsabilité nous. Parce que le pays n'a pas qu'à descendre plus bas que côté lié, je vous dis. Je finis tout pour me dire, peuple haïtien, ce dernier coup de tiroir là, pas qu'il n'y ait aucun nègre qui vient faire coup là, pas qu'il n'y ait aucune mafia qui vient parler l'autre parole dans son oreille, parce que les gens qui ont kidnappé un monde, ils ont demandé 1 million, 2 millions de dollars pour eux, il faut nous connaître comme ça, c'est dans le quartier populaire, il faut aller. Il faut nous connaître par le village de Dieu, il faut aller. Il faut nous connaître par la saline, il faut aller. Il faut nous connaître comme ça, c'est dans mes pouvoirs, aller. Nous, nos cafous qui critiquent, et je finis d'être pour me dire, ouais, article 54-2, s'il pas existait, nous-mêmes au niveau secteur démocratique là, nous t'avons inventé pour déchouquer vagabond. Merci. Merci Timothée. Bravo. Et nous avons honneur. Merci en pile. Merci en pile. Premier bagage m'a dit. Et. Madame, m'a félicité la presse nationale et internationale qui l'a matin. Hein. Je voulais dire que conférence de presse matin, hein, c'est conférence de presse, comité mobilisation citoyenne pour respect constitutionnel. C'est le comité de mobilisation citoyenne pour le respect de la constitution qui convoquait la presse matin. Hein. Comité ça. Ce n'est pas affaire d'un groupe. Ce n'est pas affaire deux groupes. Ce n'est pas affaire trois groupes. C'est affaire tout le monde qui est en bataille pour casser le système. C'est affaire là, où est représentant ouvrier, représentant artiste, politique, tout le monde là-dedans. Pas de monde qui est dehors. Pour nous comprendre bien, dans ce qui est là, je dis à. Nous avons 26 jours
de la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Dans 26 jours, d'après article 134-2 Constitution, hein, d'après article 239 décret électoral de mars 2015, l'an, mandat constitutionnel Jovenel Moïse a fini. Jovenel Moïse, j'ai M. Cheikh en pile et M. Rizez en pile. Il prend poste, il va comprendre. Mais Jovenel Moïse connaît, élection qui était faite dans l'année 2016 là, c'était continuité, c'était suite élection qui était commencée dans l'année 2015. Jovenel Moïse connaît conseil électoral qui fait élection 2016 là, il était une mission claire. C'était continuer processus électoral qui était commencé en 2015 là. Je le cherche, les risais, les prend pas, il va comprendre. Jovenel Moïse connaît l'heure d'après l'élection 2016 là, il n'y a pas de côté pièce pour l'inscrire. Il a dit, est-ce qu'on voulait participer dans la suite du processus électoral là? Il connaît bien, mandat a fini. Je le cherche, il risait en pile, il prend poste, il va comprendre, il prend poste, il oublie. Mais c'est pas ça qui est important. Il y a deux projets qui s'affrontent dans ce pays aujourd'hui. Il y a deux projets qui bataillent. Il y a deux groupes monde qui bataillent dans le pays. Il y a un groupe PHTK qui fait 10 ans sous pouvoir. Jean-Professeur Charles Messot montre nous là, pendant 10 ans, il a crasé le pays. Il a appauvri le pays. Il a crasé les paysans. Il a crasé les femmes. Il a crasé les jeunes. Il a mis la diaspora sous côté. Il a crasé les professeurs. Il a crasé les ouvriers. Il a crasé les avocats. Il a fait massacre la Saline. Il a fait massacre Bel Air. Il a fait massacre Cité Soleil. Il a fait massacre Pont Rouge. Il a fait massacre Cafoufeuille. Il a volé l'argent Petro-Caribé. Plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains. L'argent qui était capable de changer les conditions de la vie du peuple. Groupe pour ça, il a besoin qu'un bel pouvoir pour continuer à craser le pays. Pour continuer à craser le peuple, augmenter la misère de la population. Hein? Mais il a besoin qu'un bel pouvoir tout pour ne pas juger pour crime qu'il a fait la Saline, Bel Air, Cité Soleil, Pont Rouge, Cafoufeuille. Il a besoin qu'un bel pouvoir. Pour ne pas juger eux, pour ne pas mettre compte dans le dossier Petro-Caribé. Ça, c'est le premier groupe. L'autre groupe là, c'est le peuple là. L'autre groupe là, c'est nous tous qui là. Qui bataille pour nous craser un système baisé sous C. Nous mettons campé dans le pays depuis 17 octobre 1806. C'est le système baisé sous C ça qui s'y m'a émis dans quatre coins pays. C'est le système baisé sous C ça qui va nous l'école bolette. Dans le quartier populaire, pour le peuple là, pas qu'on lit, pour le peuple là, pas capable de tracer chimel. C'est le système pesé sous ça, qui crase la justice, qui crase l'économie du pays, qui baille un petit groupe monde, toute richesse pays, et qui la gagne en misère, 99% de la population. Eh bien, nous-mêmes avec le peuple là, nous avons bataille pour nous craser le système ça. Mais je dis à l'éclair, à 26 jours de la mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Nous avons deux chantiers devant nous. Premier chantier, c'est pour nous travailler, c'est pour nous discuter, c'est pour nous essayer de comprendre l'autre, pour nous capables de sortir rapidement avec une proposition d'alternative pour la gestion et la réussite de la transition. Depuis 5 janvier, nous travaillons sur lui. Nous travaillons avec un pile groupe. Et avant longtemps, le peuple connaît qui ça nous joint entre nous comme proposition sortie crise pour gérer transition, hein, pour nous capables de réussir transition. Deuxième bagaille, c'est la grande mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution. Et c'est pas seulement pour respect de la Constitution, hein. C'est une mobilisation pour changer la vie du peuple. Eh bien, dans quatre mobilisations, ça, n'a pas été encore. Jodi a en Haïti, il n'y a pas de sauvetage individuel possible. Pas y a personne de monde qui est capable de sauver pour contre lui. Il a kidnappé tout le monde. Tout le monde a un problème. Professeur pas qu'à sauver pour contre lui. Jeune n'a pas qu'à sauver pour koyo. Université n'a pas qu'à sauver tête lui. Paysan pas qu'à sauver
pour contre. Femme yo pas qu'à sauver pour contre. Professionnel pas qu'à sauver pour contre. Diaspora pas qu'à sauver pour contre lui. Pas de monde qui capable sauver pour contre lui. Journaliste pas qu'à sauver pour contre. Le sauvetage doit être collectif. Voilà pourquoi nous mettons-nous ensemble pour nous organiser la grande mobilisation citoyenne pour le respect de la Constitution. Et nous lançons un appel à tous les secteurs de la nationale, à tous les citoyens pour participer dans la bataille. Faut mobilisation arriver de tous côtés. Faut mobilisation arriver dans le corridor. Faut mobilisation arriver dans la ville, dans le quartier. Faut mobilisation arriver dans tout département. Faut mobilisation arriver dans tout foyer. Et c'est comme ça que nous privé grâce à MPC Soussé qui s'est mis en misère dans quatre coins pays. À partir du moment où nous mettons transition, qui prend responsabilité pour porter une série de réponses à une série de problèmes que nous identifions. Et professeur Chalmers, sur le palo de transition de rupture. Et bien, aujourd'hui, il y a un calendrier de mobilisation. Nous présenter par nation. Pour nous dire, peuple là, c'est pour mettre en condition de combat. C'est pour nous prendre responsabilité. Dans le calendrier de mobilisation, ça, gagné depuis 5 janvier, consultation qu'a faite, Port-au-Prince, dans la province, dans la diaspora, sous question, proposition, sortie de crise là. Gagné deuxième élément, gagné 13 janvier, ici à même, gagné en conférence débat qu'a fait sous question transition. C'est tout groupe qui est dans mobilisation hein, qui a organisé la conférence. Là. Parce que la bataille là, ce n'est pas dans la rue seulement qu'on a mené. On a mené la bataille là, tout côté. Il faut qu'on connaisse exactement qui ça nous va faire dans la transition. Hein. Et c'est l'objectif de la conférence débat ça qu'a fait ici à 13 janvier 2021. Sorti 10 janvier pour arriver 20 janvier 2021, dans tout département, il y a une conférence de presse, a une conférence débat qui a fait sous cause de mobilisation, sous cause de transition. Par exemple, je dis à l'enseignement, bon, gros conférence de presse, table concertation, Balati Bonitlan à bail dans cadre de mobilisation. Gagné le Nord qui a fait conférence, gagné le Sud qui a fait, Sud-Est a fait, Onaïve a fait, Miragouane a fait, tout côté a rentré dans la mobilisation. Gagné sorti 15 janvier. Et demain, gagné une journée de mobilisation, journée de conscientisation dans la faculté de sciences humaines. C'est, voilà, c'est le même combat, c'est la même bataille. C'est un éminent professeur qui a été assassiné, professeur Janil Louis-Just, que nous tous nous reconnaissons, et en pile dans nous, il est des professeurs. 15 janvier, c'est vendredi qu'a venu. À partir de 15 janvier, vendredi, peuple a commencé à descendre dans la rue, dans le cadre de mobilisation. Port-au-Prince a gagné en marche, en manifestation. Manifestation a rassemblé sous champ de masse, manifestation a rassemblé Kafoua et au port, nous avons monté Delma 32, le nous arrivons Delma 32, nous avons viré Crissoua, nous avons descendu la lue et nous avons fini sous champ de masse. Ça c'est pour vendredi 15 janvier 2021. Et même 15 janvier, ça c'est très important. Dans la diaspora, même 15 janvier, ça. Dans la diaspora, même quel jour que ça, est-ce que même quel jour que ça, même quel janvier ça, dans la diaspora, a gagné manifestation dans plusieurs États aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, nous devons manifester, c'est l'occasion, matin, nous devons dire, et l'objectif là, c'est demander à l'Américain qui l'a accompagné par les Haïtiens pour supporter le gouvernement criminel, le gouvernement corrompu, le
gouvernement assassin. 20 janvier, après une grosse journée de mobilisation nationale dans tout le pays, l'objectif de mobilisation, ça, c'est pour nous dire constitution est respectée, constitution à respecter. C'est pour nous dire vous voulez une transition de rupture et nous ne pas accepter un gouvernement criminel, un gouvernement corrompu, pour continuer à faire le pouvoir en dehors de la constitution. 22 janvier 2021, c'est pas une smart manifestation. Et objectif la clair, 20 janvier nous connaît aux États-Unis, gagné un nouveau président qui prend fonction, c'est le président Joe Biden. Eh bien, 20 janvier 2021, peuple haïtien a pris la rue dans tout le pays, c'est pour dire aux Américains, il n'est pas normal pour supporter un gouvernement criminel, il n'est pas normal pour supporter un gouvernement corrompu, il n'est pas normal pour supporter un bon assassin sous pouvoir. C'est pour nous dire, article 134-2 constitution en clair, mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021 et nous l'invitons pour la communauté internationale là, comprendre la nécessité pour camper pour côté de peuple. 22 janvier, nous avons commencé dans tout le pays avec mobilisation sous toute forme, manifestation spontanée. Et à partir du 1er février 2021, c'est pour le commencement soulèvement général. C'est pour le commencement soulèvement général à partir du 1er février 2021. Blocage des routes, barricades, tout ce qu'on est qui rentre dans le cadre de mobilisation, c'est la donne à pied jusqu'à ce que nous installions le gouvernement transition. Alors, voilà, la bataille est lancée. Tout le monde concerné, et cette fois-ci, c'est une bataille pour respect constitution. C'est pour une bataille partisane. C'est pour une bataille politicienne. C'est une bataille tout citoyen. Et nous demandons à tous citoyens pour assumer la responsabilité pour participer. Merci en pile. Merci en pile pour nous chauffer. Chauffer, chauffer, chauffer. Et militants conséquents. Avant de commencer, permettez-moi de saluer de façon spéciale tout journaliste qui est là avec nous matin, qui a fait un travail pour moi-même exceptionnel. Je connais le travail qui a fait pendant tant de mobilisation. 2019, journalistes ont eu un pile de travail dans moi. 2020, c'était coronavirus. 2021, c'est respect constitution. Et ça, nous ne pas négocier. Je parle maintenant, pendant ma prête voix, des amis spéciaux. Ma prête voix, sénateur Sorel Yassine, de la Grandance. Ma prête voix, sénateur John Jurel Joseph de l'Ouest. C'est deux collègues qui campent dans le dôme là pour me parler et qui ont dicté ça pour me dire.
Je prête voix à tous les militants partout dans le quartier populaire. Si là, qui a des familles tombées. Si là, qui couché sous cabane de l'hôpital. Si là, qui est en prison. Nous ne pouvons pas changer les amis qui sont en prison. Les amis prisonniers, nous, il y a tant de 7 février pour sortir de prison. Et bien, vous, messieurs, messieurs, dames, est-ce que les prisonniers politiques n'ont pas besoin de 7 février? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de liberté? Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de liberté. Et dans ce sens, permettez-moi de saluer de façon spéciale en pile gros garçons, gros femmes qui sont en bataille. Je n'ai pas de temps pour me saluer tout. Même quand saluer ça qui est plus oui. Je peux saluer Réginal, je peux saluer Patrice, je peux saluer Fernando. Je peux là. Mesdames Sayo, mesdames Voyant, je profite du micro de moi maintenant pour demander tout secteur dans le pays. Tout secteur dans le pays. Chauffeur moto. Yo. Nous connaissons chauffeur moto important en pile dans la bataille. Enseignants, ouvriers, professeurs, change, syndicalistes, étudiants, petits commerçants, paysans, pétro-challengers. Nous conscients. Organisation des bases. Champ de masse. Secteur politique là. Société civile là. Diaspora. Qui joue un rôle important dans la bataille. Moi salue tout secteur ça pour me dire un bagage. Pour me dire, 7 février 2021, ce n'est pas un bagage politique. C'est une démarche citoyenne. Parce que c'est la constitution pays qui est en danger. C'est la démocratie pays qui est en danger. Et dans ce sens, nous avons besoin de concours tout le monde. Quel que soit la couleur, quel que soit la hauteur. Quelle que soit l'origine sociale, parce que le pays a pour savon, il y a des lois, il y a des règles qui régissent. Les amis qui là, et les amis qui attendent à travers le pays, à travers le monde, je dis à qui c'est le deuxième lundi janvier, il rappelle mieux un bagage important. Et mandez la presse pour attendre ça, m'a dit là. Mandez un silence total pour nous donner ça m'a dit. Parce que ça m'a dit est extrêmement important. Est-ce que ensemble avec nous changer deuxième lundi janvier à minuit une, qui ça Jovenel te fait? Il te fait un tweet pour te dire qui ça? Pour te dire mandat sénateur fini. Pendant que vous avez passé 4 ans dans le Sénat, vous avez un mandat 6 ans. Jodia, Jovenel a fait tête raide avec la Constitution, avec la démocratie. Même Jean, moi-même, comme sénateur, que mon NIP est élu pour 6 ans, dans le sacrifice et dans le cadre pour la bataille pour casser ce système-là, moi entre la caille. Moi quoi li important. Pour Jovenel pas attendre 7 février pour entrer la caille. Parce que si Jovenel a fait peuple la provocation, laisse ça qui ça va passer. Zami PHTK, c'est yo qui va payer conséquences. Zami PHTK, c'est yo Jovenel qui va faire des choukis. Parce que peuple là pas négocier constitution. Peuple pas négocier démocratie.
pour éviter un déchoucage en un pays qui n'est pas bon pour le pays, c'est important. Un, pour tout secteur en vie nationale, là, mettez-vous ensemble. Je connais tout le monde d'accord déjà. Faut que la constitution reste. Bataille ensemble pour permettre que 7 février ça lit une réalité. Et m'a dit nous bagaille qui est important et pour la France. En 2019, nous avons fait tout ça possible. Nous n'avons pas capable de s'allier les peuples haïtiens qui fait 3 mois loc, grand goût. Nous fait 3 mois loc, résistance. Mais chomp avec blanc, raciste. Nous avons dit que nous avons constitution pour respecter. En bien article 134-2, en deux constitutions, nous dit mandat Jovenel fini. Le mandat Jovenel fini, qui sont qu'on est là pour nous? La fini avec question kidnapping. La fini avec bandit dans tout pays. La fini avec bandit qui a kidnappé policier. La fini avec vol en un pays. La fini avec tout ça nous connaît. Côté Jodia, il y a kidnappé, c'est l'église catholique, mais l'église catholique, policier, c'est trop bateau. Même les mandats Jovenel, pendant fini 7 février, nous sommes obligés de sortir dans la rue pour mettre fin à la bataille. La bataille a deux étapes. De la première étape qui a commencé 15 janvier qui a venu. Laisse à tout petit monde, femme enceinte, grand monde, tout le monde après la vie. Deuxième étape là, c'est mobilisation active là. Mobilisation active là, laisse à c'est brave. C'est petit Dessaline, petit Cabra la mort. Petit Toussaint Christophe, Macandal, c'est Yop Palpanay. Ça veut dire noter pour moi, bataille là, la plus défense. Une phase qui est douce et une phase qui est piquée. Parce que Jovenel préparé pour nous, mais nous-mêmes nous préparer pour nous tout. Parce que nous ne pouvons pas courir pour Jovenel. C'est Jovenel qui peut courir parce qu'il vivait en fait. C'est dans la logique ça. Zami Chan Masio, à partir de 14, il a commencé à compter jour pour jour. M'a dit nos bagailles pour me finir. Je dis nos bagailles pour me finir. Bataille ça plus possible. Pour le possible, m'a besoin. Nous-mêmes qui sommes table là, n'a besoin de support tout le monde en général. Ça capote de l'eau pour de l'eau. Ça caca son pain, bah on l'autre morceau. Parce que bourgeoisie corrompue, avec pouvoir corrompu, vous pensez que c'est comme qui a fait le changement. Mais nous croyons avec conviction, avec engagement, peuple là, nous avons changé. Et c'est ça que je dis, c'est sous nous porter, une a couru l'autre, une a supporté l'autre. Nous avons dit, dans le cadre de ça, il y a une pile d'activité. Nous sommes attendus que les 13 a une grosse activité là. Conférence, débat, cap bien là. A bien un pile monde qui a vu animer conférence. Professeur Mérilien, un pile l'autre monde qui a dit Sidney, etc. Demain, si vous avez une grosse activité dans les sciences humaines, nous demandons tout génie pour te coller. Tout département, côté ma parlé là, toute communion a organisé. Matin, on parle avec Nord, on parle avec Sud, on parle avec Jacques Mel, on parle avec Plateau Central. Latibonite, Nord-Est, Nord-Ouest, Nip, nous parlons avec tout le monde à organiser. Nous disons tout le monde, grandance, nous disons tout le monde, commencez par responsabilité.
Parce que fait là, ouais, enterrement pour 4 ans devant Palais National 7 février.